Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était divin. L'Évangile de Thomas selon un ordre thématique. Thème 9, l'onction sur l'ascétisme. Jésus dit: si vous ne jeûnez pas de ce monde, alors vous ne trouverez pas le royaume. Si vous ne faites pas du sabbat le sabbat, vous ne verrez pas le Père. Jésus dit: ne vous souciez pas du soir au matin ni du matin au soir, de quels vêtements vous porterez. Jésus dit: depuis Adam jusqu'à Jean le Baptiste, parmi ceux qui ont été engendrés de femmes, il n'est pas de plus grand que Jean le Baptiste. C'est parce que sa vision est juste qu'on dit que ses yeux ne seront pas brisés. Moi, je dis: celui qui parmi vous se fera petit, celui-là connaîtra le royaume, et il s'élèvera au-dessus de Jean le Baptiste. Jésus dit: bienheureux les pauvres, le royaume des cieux est pour vous. Jésus dit: celui qui a compris le monde trouve un cadavre. Celui qui a trouvé ce cadavre, le monde n'est plus digne de lui. Jésus dit: celui qui a compris ce monde a trouvé le corps. Celui qui a trouvé le corps, pour lui, ce monde n'est plus digne. Jésus dit: quiconque est devenu riche, laissez-le devenir roi. Celui qui a le pouvoir, laissez-le y renoncer. Jésus dit: pendant des jours entiers, vous reluquez votre reflet, vous vous réjouissez. Mais lorsque vous verrez vos modèles, ceux qui vinrent à l'existence bien avant vous, qui ne meurent plus et ne se manifestent plus, combien de temps le supporterez-vous? Jésus dit: misérable est le corps qui dépend d'un autre corps. Malheureuse est l'âme qui dépend de ces deux-là. Jésus dit: si vous avez de l'argent, ne le prêtez pas avec intérêt, mais donnez-le à celui qui n'a rien dans ses mains. Ils dirent: viens, allons prier et jeûner aujourd'hui. Jésus répondit: quel est donc ce péché que j'ai commis? De quelle façon m'ont-ils conquis? C'est quand l'époux aura quitté la chambre maritale qu'il faudra jeûner et prier. Jésus dit: celui qui a trouvé le monde et qui s'est fait riche, qu'il renonce à ce monde. Jésus dit: misérable est la chair qui dépend de l'âme. Misérable est l'âme qui dépend de la chair.